Jour 1, voici tous les meubles qui viennent d'arriver au pop-up store. Donc ce soir, on fait la soirée influenceur et ça va être vraiment très très cool. Donc je vous fais un petit aperçu du pop-up store pour l'instant qui est vide entre guillemets, donc pas installé, juste avec les meubles qu'il faut du coup maintenant qu'on déballe et qu'on installe. C'est un petit peu la panique parce que on a ramené du coup, on a fait amener tous les cartons, tous les colis des produits donc de Lyon jusqu'à Paris ici. Et là en fait on doit tout installer. Il est quelle heure? Il est 14h. Les invités arrivent à 19h et il n'y a rien installé donc. Et nous on n'est même pas prête, je ne suis pas maquillée. Ça va être le feu, c'est parti, on va tout ranger. Alors on a pas mal avancé, c'est pas encore terminé, mais c'est plutôt pas mal. Ici pour l'instant on a mis donc la machine Cheers qui va nous permettre de faire des photos pendant toute la soirée. Ensuite ici on a une espèce de partie zéro déchet, donc avec les différentes pailles en inox, en bambou, les couteaux, fourchettes, les couverts en bambou, les charbons, les sachets de thé réutilisables, les bivraps, etc. Donc voilà, ça c'est plutôt la partie zéro déchet, les bullettes. Voilà, en tout cas, là on est en train de continuer de ranger un peu cette partie. On a exposé des produits partout en haut. Il y en a un petit peu partout pour le moment. C'est pas terminé parce qu'en fait, on va avoir donc ce soir le traiteur ici. Demain, cette table, elle nous servira pour exposer des produits. Donc là, pour l'instant, voilà. Ici, c'est pareil. On va encore devoir changer un peu la disposition des objets. Là-bas aussi, quand on aura tout terminé. Donc en fait, la disposition va pas être la même pour la soirée et pour le pop-up de demain. À part ça, qui va pas bouger. Mais bon, pour l'instant, c'est la vue d'ensemble et on n'a pas du tout terminé. Je suis un peu en problème. Donc, est-ce que tu peux juste aider? Oh, bah, moi je vais prendre le. Ouais. Vas-y, mets ton. Laisse. Ah, je laisse. Ouais, et tu fais tout comme ça en fait. Et tu vas avec ta main. Oui! Non, c'est bon! Ça dépasse. Ah non, parce que moi c'est un peu trop romantisme. Non, il y a juste la petite fumée. Et c'est une trop cool! Alors, à ce qui paraît, je dois faire un petit speech, alors je le fais, même si je suis pas très à l'aise avec l'exercice. Je voulais tous vous remercier d'être là ce soir, ça me fait trop plaisir. Leaves & Clubs, c'est une boutique donc, qu'on a montée en mars dernier. Il y a plus d'un an, bon, ça va faire bientôt 2 ans en fait. Et on est hyper émus de pouvoir faire un pop-up store à Paris, parce qu'on en a déjà fait 2 à Lyon, ça a bien marché. Et on s'est dit que Paris, ce serait l'endroit voilà, où il fallait continuer tout ça. Je fais aussi ça pour vous, qui connaissez peut-être la boutique en ligne, mais qui n'ont jamais eu l'occasion de voir les produits en vrai. Donc, voilà, on est trop contents. C'était un gros challenge pour nous de faire ça, donc merci à tous d'être là, que ce soit des gens que je connais très bien, des gens que je connais moins bien. J'ai pas forcément l'occasion de parler à tout le monde, mais on est trop heureux parce qu'on essaye de se battre pour le Made in France, pour le bio, pour le zéro déchet, et on veut tous faire avancer les choses ensemble.
pour la planète, pour notre santé, pour tout le monde. Donc si vous n'avez pas encore commencé la démarche zéro déchet bio, allez-y, c'est le moment. On essaye de glamouriser un peu ça, mais c'est pas évident. Voilà, merci à tous d'être là, on espère que ça va marcher, on espère que ça vous plaît et je suis trop contente. Donc merci à tous. Hello tout le monde, c'est parti pour ce premier jour de pop-up store. Donc là on est samedi matin, on est arrivé plus tôt pour pouvoir ranger tout ce qu'on a mis un petit peu comme désordre hier soir pendant la soirée. C'était vraiment vraiment trop cool. Merci à toutes les personnes qui sont venues, on est trop contents. Et du coup ben là on va finir de préparer et commencer à accueillir les gens puisque la boutique ouvre à 10h. Et donc du coup c'est parti pour 3 jours de pop-up store. Je vais essayer de vous vlogger un maximum de choses pour que vous puissiez profiter du pop-up avec nous si vous n'êtes pas si vous n'êtes pas de Paris et que vous ne pouvez pas voir ça. Et bien écoutez, on va tout finir de ranger et c'est parti. La boutique est prête, ça y est, enfin. Donc voilà à quoi ça ressemble ici, on a toute une zone zéro déchet avec nos pailles, avec nos bols en bambou, les couverts, le charbon, vraiment toute la catégorie que vous pouvez retrouver sur la boutique en ligne, les bullettes ici, on a les brosses à dents, les bougies, enfin voilà, en fait on s'est organisé de manière à ce que tout l'espace du mur soit pris comme ça. On est trop contents, c'est trop chouette et vraiment c'est trop beau, on est vraiment hyper fiers. Là il y a tous les bijoux qui sont exclusivement en vente pour le pop-up store. Ici, on a toute une sélection, encore une fois, un peu zéro déchet, les trios de sac à vrac, les brosses en bambou, etc., les cartes postales. Bref, voilà, je vais vous montrer un peu. On a les canapés made, ils sont trop cool. J'ai ramené mon enceinte de chez moi. Et voilà, la caisse, il y a déjà des gens qui attendent dehors, donc... Première personne sans arriver, comment on se sent? Ça va. Pas trop stressé? Non. Je prends mon café. Course de 10, c'est déjà complet. Il y a encore un peu de place là, parce qu'il est tôt, il est 10h, alors les gens... Attends, t'as ouvert il y a 2 minutes. Oui, il y a là. Ce plan de toi, Yuri. Bah oui, mais... Bon, on est en coulisses là pendant que les filles sont en train de faire les serveuses. Voilà. Bon, on est en coulisses du pop-up parce que là ça y est, on a pris genre, on a littéralement 10 minutes pour manger parce que les gens nous attendent, enfin surtout m'attendent pour faire des photos. Donc on va manger. Bon app! Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de monde et on enchaîne depuis 10h ce matin. Il est actuellement 15h18 et nous n'avons toujours pas arrêté. Mais c'est trop cool, il y a encore du coup des gens qui attendent dehors. Yes! C'est la fin de la première journée, ça se voit sur ma gueule que je suis éclatée. Mais on est en train de manger. Oui, et regardez qui est là.
Incroyable, elle est venue en renfort, du coup demain elle va nous aider parce qu'on ne s'en sort pas seul. Et oui, deuxième jour du pop-up store et je fais ça parce qu'en fait il n'y avait pas de lumière. Je vous ai pas montré notre Airbnb, on a eu un Airbnb de fou, enfin, parce que j'ai beaucoup galéré pour le trouver. Je vous montre, donc là on est dans le salon. Ici c'est donc cuisine, salle à manger, et ensuite on a bah, du coup deux salles de bain en plein milieu de Paris. Franchement c'est plutôt cool. On a donc ici grand miroir plein pied, la buanderie, une première salle de bain, hop, la chambre de Marine, ma chambre à moi, et les filles elles dorment dans des lits twin de sœurs jumelles. Je peux montrer votre chambre, vous avez... Il y a rien qui traîne. Voilà. Et elles ont aussi une salle de... C'est quoi ça? Oui, il y a des crimes. C'est là où on enferme les enfants passés. Oh non. Oh, putain, Almaël de bon matin. Et elles ont la salle de bain avec la baignoire. C'est parti donc pour le deuxième jour du pop-up store. Bon, aujourd'hui, malheureusement, il fait pas très beau dehors, donc on va essayer de faire la file de manière à ce que ça soit plus agréable. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont presque en rupture. Là, on avait les coufous. Vous savez, c'est les petits pochons de coton. Bah, il n'y en a quasiment plus. Il y a plein de trucs voilà, qui sont déjà bien partis. Mais on a encore assez de stuff pour tenir donc aujourd'hui et demain. Bah c'est parti, apparemment il y a déjà du monde devant, un dimanche matin, enfin, franchement les gens sont très motivés. Donc ça fait plaisir et en fait à l'heure à laquelle je vous parle, je n'ai déjà plus de batterie sur ma caméra de vlog. J'ai un autre chargeur, où est-il? Il est là. Attends, donc Marie est venue nous aider parce qu'elle estime qu'on se voit pas suffisamment. Donc quand je suis à Paris, elle passe son dimanche à m'aider pour le pop-up store. Et donc beaucoup trop mignonne, elle est en train de remettre les pailles pour qu'on voit bien le Leaves and Clads. Et je lui dis, tu sais, ça sert à rien, les gens vont le refaire, genre vont refoutre le bordel. Et elle dit, bah ouais, je sais, c'est la troisième fois. On sent que tu adores ce que tu fais. Tu ne préférerais pas être sur ton canapé devant Netflix? Bah demain. Bon les gars, il est 20h47, nous sommes rentrés au Airbnb et aujourd'hui c'était encore plein de monde. Donc merci du fond du cœur à toutes les personnes qui sont venues aujourd'hui, vous étiez hyper nombreux, la boutique n'a pas des amplis. Donc on est trop contents, c'est trop chouette. Et là c'est une réunion au sommet, on vient d'aller manger des pizzas. Voilà, donc le gluten, merci. Oh, pas du tout respecté mon protocole j'avoue, mais c'est pas grave. Et on prévoit toutes les nouveautés, zéro déchet. Pour la rentrée 2020, n'est-ce pas Maëlle? Qui boit son petit thé, qui est en pyjama, donc elle n'acceptera pas que je vous filme ça. On est sur le coup, on est sur le coup. Donc voilà, un petit rapide aperçu de notre situation, une verveine, des ordi, voilà. Et bien du coup on se dit, on va travailler, on se dit à demain pour la suite et dernier jour de ce pop-up vlog, pop-up Leaves and Clouds. Fatiguée. Aujourd'hui c'est la dernière journée au pop-up store. Ce matin on s'est levé pas trop tard parce qu'il fallait qu'on termine de remettre des stocks dans la boutique puisque ben, le pop-up est un succès, on est super contents, ça fonctionne très bien et les retours sont incroyables jusqu'à maintenant, donc on en profite. Là il est bientôt midi, on continue de ranger les stocks. Il y a déjà beaucoup de produits qui sont en rupture mais que vous pouvez quand même retrouver sur la boutique en ligne. Et bah, du coup pareil, je vais vous emmener un petit peu dans cette dernière journée au pop-up store. Et voilà. En fait je vais quand même vous montrer le backstage, donc voilà là où nos fils. Petit backstage et la boutique est juste ici. Et en fait là-dedans on a rangé nos stocks. Donc ce qui nous reste, c'est-à-dire plus grand chose. Hop. Et là, bah, c'est un peu pareil au final. Il nous reste encore quelques gels douche, quelques bivrap. Ça part super bien. Là-dedans, je crois qu'il n'y a plus. Bah là il n'y a plus rien.
Et là, plus, bah, c'est des manteaux. Petite brosse, on en a quasi plus, donc ça c'est une réussite. Et les Olympes, elles sont quasi toutes parties. C'est les dernières qui nous restent à la boutique. Hein, y en a toujours sur le site si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, c'est juste dingue. Là, on a les petits bijoux qui étaient en exclusivité là pour le pop-up store, mais on a décidé qu'on allait les mettre sur la boutique en ligne parce que vous avez été ultra nombreux à nous demander donc de les mettre, notamment les colliers, les petites boucles d'oreilles qu'on avait en argenté, mais là qu'on n'a plus, qu'on va avoir de nouveau sur la boutique. Donc voilà, il reste encore pas mal de petites choses, mais plus tout quoi. Ça y est, avec Aurélie, on se lance dans l'élevage d'Akita et de Shiba. Donc ce n'est plus négociable, on arrête notre activité du Zen Club, on part avec les chiens. Adieu. Ce doubou, oui. Regarde la taille qu'il fait par rapport à moi, genre. C'est un truc de ouf, ouais. Heure du craquage. Ne jugez pas s'il vous plaît. 16h41. Ça y est, c'est la fin du pop-up store. On range tout. Donc là on est donc, quel jour nous sommes? Lundi soir. On est en train de tout ranger, que ce soit les fleurs, on s'est refait un gros bouquet avec ce qui restait. On est en train de ranger tous les stocks qui nous reste. Finalement, il nous reste pas grand chose par rapport en fait à tout ce qu'on a pris pour venir ici. Donc c'est trop cool, on est trop contents. Et demain matin, on vient tout ranger le reste, parce que demain matin, les gens viennent pour récupérer et tout ramener à la maison. Voilà. C'est un peu le craquage, on va pas vous mentir, parce que là, on est vraiment claqué. Qu'est-ce qui se passe, Anne-Maëlle? Faut qu'on enlève toutes les photos des gens. Ah. 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 Adieu Marco. Pourquoi ça marche pas le focus? Qu'est-ce que tu fais? Ça va pas. Ah là 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 là. When I reach out, you will hold on. Was it a rainbow falling? Was it a rainbow falling? When I Bonjour madame, vous allez bien? Arrête de croquer. Stylé. On va nous apprêter ce canapé, là. Il était plus stylé avant les bulles, c'est sûr que là... Mais merci Maïs. On va t'en rendre compte, je vais me faire des pirater. Attends, on va refaire le pourquoi plan. Bonjour. Regardez comme le pop-up store est calme. Il n'y a plus personne. Alors que pendant 3 jours... Vous pensez qu'il y a eu combien de personnes en 3 jours? C'est ça. Vous êtes rhétorique ou... Oh, facile, mais... Je sais pas, des centaines? Bah, merci pour Ali, des centaines. Moi, pour plus de 1000, je pense. Moi je dirais 4000 personnes. Oh bah, toujours plus sur 3 jours. Ouais. C'est pas déconnant, hein, c'est entre les gens qui viennent. Anne-Maël, peux-tu répéter? Est-ce que c'est la meilleure milanaise de ta vie? Je pense que oui. Ah très bien. C'est vrai que bon, elle a l'air incroyable quand même. Marie, pâte,
moi pâte, ici milanaise et Coco des pâtes aussi. Voilà. Je vous présente Anne-Maëlle. Donc Anne-Maëlle, vous ne la connaissez toujours pas dans les vlogs. Maintenant, vous allez souvent la voir parce que vous allez voir, c'est un phénomène. Voilà.